Marie, durant toute cette journée, nous serons ensemble. Nous allons aller à la rencontre d'Africains du continent, des Africains de la diaspora, toute cette journée pour des discussions, des échanges. On va parler de l'éducation, on va parler de développement, on va parler de l'Afrique dans son ensemble. Marie, on est content de vous avoir avec nous. Vraiment, vraiment, nous sommes heureux de vous avoir. Merci d'avoir accepté de passer cette journée avec nous. Et on va parler maintenant de cette belle initiative que vous avez réalisée, que vous avez conçue en 1995, quand vous étiez encore fonctionnaire international à l'UNESCO. Vous avez profité de cette journée du 25 mai, Journée mondiale de l'Afrique, pour initier toute une semaine afin que vos collègues de l'UNESCO, les fonctionnaires de l'UNESCO, connaissent mieux l'Afrique. Parlez-nous de cette initiative et on vous remercie d'ailleurs de l'avoir initiée. Tout d'abord, Mélina, merci. Merci infiniment d'avoir pensé à une telle initiative dans le cadre de ce confinement et de la célébration du 25 mai. Il fallait des jeunes comme vous pour penser à une option comme celle-là, où l'on va à la rencontre des personnes à travers le virtuel. Et ce qui nous donne d'ailleurs beaucoup plus de possibilités si nous devions le faire dans une salle de cinéma, dans une salle de réunion ou autre. Parce qu'effectivement, nous n'aurions pas eu les moyens de déplacer tout ce monde. Absolument. Et donc, je crois qu'on devrait dire merci aussi à ces instruments que je ne maîtrise pas du tout. Mais vous êtes là pour m'aider à passer au travers. Ça se passe bien. Ainsi donc, en 95, on n'avait pas du tout ces options-là. Hein. Donc, en 95, j'avais initié à l'UNESCO parce que le directeur général d'alors Mayor avait dit, bon, s'il y a des fonctionnaires qui ont un projet qui leur tient à cœur, ils n'ont qu'à me soumettre et je vais voir. Et j'avais donc soumis ça, la célébration de la journée de l'Afrique à l'UNESCO. Merci. Et on a fait toute une semaine au siège à Paris. Et ça a été une réussite extraordinaire. Et donc là, j'ai rappelé mon collègue, je ne devrais pas dire mon puisque je suis à la retraite, mais en tous les cas, c'est mon collègue et ami qui est le sous-directeur général pour l'Afrique au siège à Paris et qui m'a dit, mais effectivement, nous avons continué l'initiative et ça s'est même amplifié parce qu'au lieu d'une semaine maintenant, c'est une quinzaine. Mais malheureusement, cette année, ils ne pourront pas faire ce qui se faisait les années précédentes. Et c'est même là qu'il a accepté de pouvoir faire avec nous, nous envoyer une vidéo que nous pourrons effectivement utiliser pour cette journée. Alors justement, ce que je vous propose, c'est que nous diffusions ce message de Monsieur Edouard Matoko. Et on continue notre entretien dans un instant. C'est avec un grand plaisir que je me joins aujourd'hui à travers ce message à vous pour célébrer la Journée de l'Afrique. Souvenons-nous de ce 25 mai 1963 lorsque les Africains se réunirent à Addis Abeba pour créer l'Organisation de l'Unité Africaine. C'est cette unité que chaque année nous revendiquons à travers la célébration du 25 mai. L'Afrique est riche, elle est diverse, elle est pas seulement sur les continents, elle est en dehors du continent, sa diaspora. Et cette diaspora aujourd'hui contribue énormément au développement du continent africain, à sa transformation. Elle contribue au rayonnement de l'Afrique, de sa culture, de ses cultures. Unissons-nous, Africains, aujourd'hui, pour réécrire notre propre histoire, réinventer notre futur en ce moment où la crise du Covid-19 nous appelle et nous interpelle à une nouvelle réflexion sur le développement du continent africain. Je vous souhaite bonne fête à tous, bonne fête du 25 mai et bonne fête à toute l'Afrique.
Merci. Et ainsi donc, Monsieur Matoko me dit que c'est maintenant même les Latinos, parce qu'il y a la journée pour l'Amérique latine, se joignent à l'Afrique aussi. Alors, ça fait très multiculturel. C'est pas juste l'Afrique, mais l'Afrique et l'Amérique latine. Et ce sont vraiment des expériences extraordinaires. Et je regrette que cette année, on ne puisse pas aller voir ce qui s'y passe, parce que ça aurait été intéressant d'aller voir ce qui s'y passe par rapport à ce qui s'était passé en 1995. Mais c'est quand même une satisfaction de savoir que ce qu'on a initié des décennies avant se perpétue. C'est une fierté pour vous. Disons que ça fait plaisir parce que, en fait, j'ai une de mes anciennes secrétaires qui est restée au siège et qui se plaignait en me disant « Oui, ils ne reconnaissent pas que c'est toi qui as initié ça. » Je dis « Mais ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est que ça continue. » Et c'est ça qui est important, que moi je n'y sois pas, qu'on ne me dise pas, on ne dise pas que c'était l'initiative de Madame Fall, peu importe. Moi, je suis contente de savoir que la graine qui a été semée est en train de pousser. Et c'est ça qui est important. Félicitations pour cette humilité aussi. Marie, qu'est-ce qui vous a le plus interpellé ces 50 dernières années, puisque nous célébrons, donc nous sommes dans le 57e anniversaire de cette fameuse signature à Addis Abeba, de cette charte, cette convention. Qu'est-ce qui vous a le plus ému durant ces 50 dernières années sur le continent africain? Si on parle d'émotion, c'est d'avoir participé à l'indépendance de la Namibie et à la rencontre avec Nelson Mandela, parlant d'émotion, parce que ce fut vraiment des moments très, très particuliers de ma vie. Participer à la naissance d'une nation africaine, et au moment où je me suis portée volontaire pour y aller, il y avait des violences. Et mes enfants ne voulaient surtout pas que j'y aille. Et ils m'ont dit, ah non, 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 ma maman, il n'en est pas question, tu ne dois pas y aller, tu sais très bien les violences qu'il y a, tu sais très bien l'Afrique du Sud. Alors j'ai dit, oui, je sais, mais c'est peut-être le moment de ma vie où je peux faire quelque chose pour l'Afrique. Et vous en serez fiers. Alors si je reviens vivante, tant mieux. Si je ne reviens pas vivante, j'aurais fait l'histoire. Ben voilà, je reviens vivante, donc c'est... Mais ça a été une expérience fabuleuse, extraordinaire, vivifiante, incroyable par rapport à l'humanité, parce que, évidemment, la Namibie en 89, lorsque le UNTAC, le United Nations Transitional Group est arrivé avec 35 nations de toutes les institutions du système qui étaient concernées, c'est-à-dire éducation, UNICEF, HCR, etc. Comme je le disais, on avait trouvé « No dogs, no blacks allowed », ni chiens, ni noirs, 1989. Et évidemment, nous étions acceptés comme blancs honoraires. Toutes les nations non blanches étaient acceptées comme blancs honoraires. Et c'est seulement à cette condition que l'Afrique du Sud acceptait que nous puissions venir en Namibie. Et c'est la négociation que les Nations Unies avaient pu faire avec l'Afrique du Sud. Donc, ce qui prouve que non seulement l'Afrique du Sud régnait en maître en Afrique du Sud, mais régnait aussi en la partie qu'ils appelaient South West Africa, parce qu'avant de devenir la Namibie, ça s'appelait South West Africa. Et donc, on a pu sortir de la South West Africa, ce pays qui est devenu la Namibie. Et c'est incroyable parce que les trois quarts de cette ville étaient Olympia, c'est-à-dire là où logent les Blancs. Ce qui restait du quart était divisé avec
Homosdal où étaient les bastards, et c'est vraiment bastards, ça veut dire ce que ça veut dire, bâtard. Et ce qui restait, c'était Katatura, là où il y avait les Noirs. Et donc, lorsque Sam Nyoma est rentré avec les exilés, ils ont dû aller voter à Katatura, petite section de la ville de Windhoek, parce qu'ils ne pouvaient pas, eux n'étaient pas acceptés comme blancs honoraires. Et je vous assure que c'était une période extraordinaire. Et dans l'équipe où je me trouvais avec le HCR, l'UNICEF, etc., il y avait une amie américaine blanche mariée à un Soudanais très noir. Donc, les enfants étaient métissés. Alors, on rigolait quand on entrait dans les restaurants où on avait dit « no dogs, no blacks allowed ». On lui disait, tu sais, hein, heureusement qu'on est des blancs honoraires parce que sinon, tes enfants iraient à Homosdal, ton mari irait à Katatura et toi, tu serais à Olympia. Donc, ça, c'est des moments extraordinaires d'une vie où effectivement j'ai rencontré beaucoup d'amis parce qu'on était dans une situation euphorique mais en même temps dangereuse parce qu'il y avait des attentats, etc. Alors, double euphorie quand Nelson Mandela est venu lors de la célébration de l'anniversaire de l'indépendance, quand elle est arrivée avec Nelson Mandela. Ce fut pour moi un moment exceptionnel de ma vie, de lui avoir serré la main, d'être assise à côté de lui, et où il me disait, vous savez, on n'a pas beaucoup de femmes africaines comme vous, et j'ai dit, écoutez, il y en a énormément sur le continent, peut-être que ici là, en Namibie, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a sur le continent. Voilà, ça, c'est des moments extraordinaires, uniques. Merci de les partager avec nous. Merci de les partager avec tous ceux qui nous regardent. Notre fil rouge aujourd'hui dans Connexion africaine, c'est Marie Deifal, ancienne fonctionnaire internationale, femme très dynamique, encore très impliquée dans le mouvement associatif et qui se donne à cœur joie à faire ce type d'initiative pour être connectée justement à la jeune génération aussi. Marie, compte tenu de ce que vous dites, on a du mal à imaginer ou en tout cas à se dire que finalement, la Namibie, là, pour son indépendance, c'était tout juste 1990. La fin de l'apartheid, c'était 1991. Mais c'est tout récent. C'est très récent. Donc, on dit sans arrêt, parce que bon, nous sommes impatients aussi et qu'on a tellement hâte de voir l'Afrique se relever et que l'Afrique puisse, bien sûr, nourrir tous les siens abondamment et que, bien évidemment, l'Afrique, les richesses de l'Afrique puissent profiter aux Africains. Mais ce sont quand même des pas de géant en l'espace de 50 ans, mine de rien. Il y a eu cette signature le 25 mai 1963, mais la fin de l'apartheid, ce n'est pas si vieux. C'est juste en 1991. La Namibie dont vous parlez, l'indépendance, l'accession à cette indépendance, c'est 1990. Exact. Exact. Avril 1990. Donc, est-ce qu'on est un peu beaucoup trop sévère avec nous-mêmes et saluer les efforts qui ont été fournis? Est-ce qu'on peut on peut rester posé aujourd'hui quand même et se dire que, parce que depuis ce matin, évidemment, on entend beaucoup de choses ici et là par le biais des personnes que nous avons invitées, qui participent à ces rendez-vous avec nous pour célébrer cette journée mondiale de l'Afrique. On sent l'impatience, on sent même le pessimisme, mais pour autant, de grandes batailles et de grandes luttes ont été conduites et sont conduites encore aujourd'hui, et il y a quand même des résultats et des avancées significatives. Nous repartons donc, vous avez
découvert des personnalités, nous avons discuté aujourd'hui avec une multitude de personnes sur des continents différents, dans des pays différents, et nous retournons au Bénin. Oui, alors, on est pas mal retourné effectivement au Bénin aujourd'hui, parce qu'il faut le savoir, hein, vous le savez maintenant, Africa Mondo est né au Bénin, sur le lac Nokoué, dans la cité lacustre de Ganvier, et le Bénin a accueilli de fort belle manière le mois de l'histoire des Noirs, donc le mois de la diaspora, le mois de l'Afrique et de la diaspora, du 1er février au 29 février. Et nous avons avec nous Etouma Aïssi. Etouma, depuis Cotonou, comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, comment et se toi? Passe ben, ça va bien, ça va bien. On fait la fête depuis ce matin. Bien, Etouma, Etouma, qu'évoque pour vous cette journée? On est aujourd'hui lundi 25 mai. Africa Day, African Liberation Day, journée mondiale donc, de l'Afrique. Vous êtes engagé depuis très, très, très longtemps, depuis votre plus jeune âge, parce que vos parents eux-mêmes étaient très engagés. Qu'est-ce que ça évoque pour vous le 25 mai? Ben, le 25 mai évoque pour moi la journée de libération de l'Afrique, parce que moi, je l'ai connue en tant que African Liberation Day en Angleterre. Et sachant que avant d'aller en Angleterre, j'ai milité en France à travers l'association de mes parents. Et donc chaque année, nous fêtions la fête d'Osiris, la fête d'Osar qui se trouvait vers le 25 décembre, 26 décembre plus exactement, du 26 décembre jusqu'au 1er janvier. Donc ce qui coïncide clairement avec le Kwanzaa. Et moi, j'ai découvert aussi le Kwanzaa en Angleterre, parce que je ne connaissais pas l'existence, mais je connaissais la fête d'Osiris parce que nous étions plus dans le paradigme égyptologique. Et donc, le 25 mai, en découvrant le 25 mai, j'étais vraiment j'étais ébahie la première fois, mais en même temps, j'étais très, très ravie de savoir que l'Afrique bouge partout dans le monde, partout, que ce soit en Angleterre, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Afrique même, que les choses bougeaient. Et maintenant, moi, je vais plutôt me positionner sur mon domaine. C'est-à-dire que mon domaine, c'est j'ai toujours été passionnée par l'éducation, les enfants. Et ce 25 mai 2020, notamment, me rappelle justement à mon histoire, à cette histoire-là, moi, qui m'a touchée. Ça me ramène au 16 juin 1979, qui était le 16 mai où il y avait la fusillade de Soweto, où, ma foi, l'armée de l'apartheid a bombardé les enfants en Afrique du Sud. Et moi, c'est resté gravé dans ma tête. Et je me suis dit, il faudrait que ce 16 juin, qui a été décrété justement par l'ONU, la Journée internationale de l'enfant africain, puisse être connue par tout le monde comme le 25 mai, parce que c'est quelque part une journée qui passe inaperçu, où personne n'en parle. Quelques personnes ci et là évoquent la journée du 16 juin, et alors que c'est une journée très importante parce que nos enfants sont notre futur. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est notre futur. L'histoire de l'Afrique, justement, aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'Afrique. Justement, nous devons justement nous situer à partir de des anciens, et notamment la jeunesse active, et ensuite penser à notre progéniture. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Comment elle va continuer à célébrer cette journée? Comment, que devons-nous inculquer? Et donc, c'est sur ça que moi, je me positionne. Et ma requête, en fait, c'est amener justement à que cette journée du 25 mais nous amène justement à un changement de l'éducation, à un changement du système éducatif en Afrique. Parce que si nous n'éduquons pas nos enfants à rebâtir l'Afrique, cette journée, ma foi, ne pourra pas perdurer. Et cette journée n'aura pas de sens, parce que ce sont nos enfants qui vont continuer ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que, même en évoquant
un événement tragique qui fut le 16 juin 1979. Je voudrais m'appuyer sur cet événement pour pouvoir dire que l'enfant africain n'est pas mort en cette journée-là. L'enfant africain, justement, a repris vie et que maintenant, il faut qu'on puisse lui inculquer le nécessaire pour qu'il puisse reconstruire vraiment solidement l'Afrique en s'appuyant sur son histoire, que ce soit sur son passé, son présent et puis penser à son avenir. Ça, c'est ce que évoque cette journée pour moi. Bon, merci beaucoup. Ça, c'est chargé en émotions, c'est chargé en histoire, évidemment. Et en fait, dans votre propos introductif, Etouma, vous disiez une chose, c'est que vous avez découvert toute cette journée en étant en Europe, finalement. Donc, ce sentiment qu'ont les Africains par rapport aux célébrations des créées et construites pour sur le continent, puisque le 25 c'est pas des moines quand même, c'est la création de ce qu'on a appelé l'unité, l'Union africaine. Donc beaucoup de ces personnes que nous avons interrogées aujourd'hui qui étaient en contact avec nous n'avaient pas connaissance de cette journée. Et c'est pour la plupart, ce sont des aînés, ce sont des gens qui sont très actifs. Est-ce que selon vous, la diaspora est plus sensible à ce qui se passe sur le continent en matière de célébration, en matière de retour aux sources, que les Africains eux-mêmes, les Africains du continent, je veux dire? Eh bien, ma foi, ma chère Mélina, je vais te dire qu'ici en Afrique, malheureusement, je pense que l'information ne circule pas. L'information, la bonne information du moins, ne circule pas. Donc, elle est quelque part marginale. Elle est marginale et elle est marginalisée. Même quand on en parle de cette, par exemple, si on en parle de cette journée, je sens que les personnes ne se sentent pas concernées. Mais les personnes de la diaspora ont ce besoin-là de se reconnecter avec le continent et eux, justement, s'attellent à continuer à faire vivre l'Afrique en eux, quel que soit l'endroit où ils sont. Et ça, c'est ce qui explique cela. Ce besoin de se rattacher aux sources, quoi. En tout cas, voilà. Moi, j'ai besoin, ça c'est certain. Et donc, nous, on recense au niveau d'Africa Mundo toutes les journées. Vous parliez tout à l'heure du 16 juin, cette journée consacrée à l'enfant africain. Effectivement, tout ce qui concerne l'Afrique nous intéresse et toutes les célébrations qui nous concernent devraient davantage valoriser. En tout cas, nous, on va s'y attacher avec vous. Merci beaucoup et voilà, je pense que c'est nécessaire et c'est très important et d'ailleurs je félicite d'ailleurs Africa Mundo de cette initiative parce que ça vient réveiller en fait en Afrique quelque chose parce que moi étant rentrée en Afrique justement je ne savais pas que j'allais encore célébrer, par exemple, la Journée internationale de l'enfant africain. Je ne savais pas que j'allais célébrer le Black History Month. Je ne savais pas qu'un jour, ces journées vont revenir à moi, alors que je les vivais. Je savais par mère, par la famille Dja, que j'allais pouvoir célébrer le Kwanzaa, puisque dès la première année que je suis arrivée ici, on a célébré le Kwanzaa avec la famille Dja. Mais les autres journées n'étaient peut-être pas au programme, même si on les connaissait et même si on les vit aussi à travers l'émission de Père et Mère Dja qui se passe à l'ORTB toutes les Père et Mère Dja qu'on salue et qu'on va retrouver tout à l'heure justement et on salue toute la famille Dja évidemment. Ah oui, nous étions d'ailleurs ensemble hier. Donc voilà. Bon, je remercie vraiment Africa Mundo pour cette initiative et je souhaite qu'elle perdure et je voudrais surtout que nos requêtes, ces requêtes puissent être entendues, oui, totalement. Donc, et que nous fassions justement qu'on puisse apporter ça, toutes ces requêtes ensemble, qu'on puisse les mettre ensemble pour pouvoir reconstruire une nouvelle histoire. Effectivement, Etouma, comme vous le disiez, c'est important de nous célébrer le travail que fait effectivement la diaspora, les afro-descendants, les africains de la diaspora est important, s'accrocher, se raccrocher à ce continent qui nous est cher, que nous avons en commun et en partage. L'idée pour nous, c'est vraiment que l'Africain du continent puisse valoriser lui aussi et prendre conscience que toutes ces journées-là sont importantes.
nous passons notre temps toute l'année à célébrer des journées qui n'ont pas été conçues pour nous, qui ne font pas partie de nos traditions, mais effectivement, tout ce qu'on peut appeler tradition importée. Quand il y a des journées qui nous concernent, il faut s'en emparer. Des populations meurent encore de faim. Donc, nous sommes en 2020. Si nous avons la critique constructive pour permettre effectivement au continent d'avancer, de progresser, c'est aussi pour que nous puissions être face à nos réalités. Et quel est le regard que vous portez par rapport à cela, Etouma, 2020, qui est encore des enfants, des familles qui meurent de faim. Et c'est clair que la pandémie COVID-19 n'améliore pas les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement ne pas sombrer et qu'on ne meure plus de faim sur ce continent qui a tout? Mais moi, je suis consternée. À chaque fois que j'entends que les enfants africains meurent de faim, je suis consternée. Et je suis consternée d'autant plus qu'il y a des terres. Il y a des terres que nous pouvons travailler. Il y a des terres où... Il y a des terres, il y a de la ressource humaine. Il y a de la ressource, voilà. Voilà. Justement, je suis toujours consternée quand j'entends cette histoire de famine. Et j'observe effectivement que les politiques ne permettent même pas que les personnes puissent rester dans les villages et pouvoir survivre. Et c'est ça, en fait, qui crée cette famine, parce que les personnes s'accumulent dans des villes et se retrouvent affamées, sans activité, ou encore en train de faire des activités qui ne leur apportent pas la nourriture au jour le jour. Donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'étant en Afrique, il faut vraiment développer justement le monde rural, essayer de le pousser un maximum pour que et le valoriser et l'encourager justement à produire de quoi nourrir la population africaine. Personnellement, je suis animée de ce projet-là qui est que créer des centres où les jeunes peuvent cultiver des champs au lieu qu'ils errent dans les villes, cultiver des champs pour pouvoir s'auto-alimenter. Parce que je pense que c'est possible. Et en plus, avec cette pandémie, c'est l'alerte avant que nous ayons encore d'autres qui viennent en soi-disant sauveurs. Nous devons dès à présent occuper les villages. Occuper des villages parce que les villes vont mourir de faim. Et moi, je suis consciente de ça. Et personnellement, c'est mon combat de tous les jours. Ce n'est pas simple. Et je félicite justement Père et Mère Dia de tout ce qu'ils ont pu faire jusqu'à présent, avoir des jardins qui cultivent en plus bio, qui cultivent pour la santé, qui permettent justement aux personnes de s'auto-protéger de toutes ces maladies-là qui arriveront et qui arrivent ça et là. Moi, j'avoue que pour moi, les exemples pour moi, c'est cette famille-là, c'est ma famille-là. Et absolument. Voilà, c'est notre famille. Absolument. Et donc, comment sensibiliser, Etouma, cette jeunesse qui ne semble pas consciente des choses, c'est-à-dire que happée par une réalité, une actualité où on n'est pas à travailler sur des projets de 5, 10, voire 20 ans, mais c'est dans l'immédiateté, c'est à savoir ce qu'on va manger ce midi ou ce soir, c'est à savoir comment on va faire pour payer le ZEM, c'est ça. Donc, on est dans le tout de suite. Et cette jeunesse, on peut déplorer effectivement cette attitude de l'argent, du cash money là tout de suite, mais c'est aussi... réalité, comment en sortir, ou en tout cas, quelles sont les pistes de solutions pour en sortir? Pour moi, les pistes de solutions, il y en a. Parce que je pense que je prends l'exemple, quand je regarde le centre PANAF, nous avons beaucoup de jeunes qui ont des initiatives dans le monde rural qui viennent déposer leurs produits pour vendre, justement. Mais la difficulté de ces jeunes-là, c'est tout simplement qu'ils pensent qu'ils dévalorisent leurs produits. Parce qu'ils pensent que c'est pas assez important, ils vont pas s'en sortir avec ça. Alors que au jour d'aujourd'hui, si beaucoup justement se penchent sur sur la culture des produits vivriers et puis sur la culture du maraîchage et tout ça pour pouvoir vivre au jour le jour des légumes et consorts, je pense que ce serait très, je veux dire que c'est la solution, en fait, pour trouver la solution, c'est de les encourager.
les encourager, créer justement des espaces où eux, ils peuvent pouvoir vendre leurs produits. Créer des espaces où ils peuvent pouvoir même proposer leurs produits, même à l'étranger, notamment vers la diaspora noire, africaine, en Occident. Vous voyez? Mais parce qu'il y a beaucoup les personnes de la diaspora sont à la demande des produits. Oui, alors il faut, en parlant de cela, effectivement, il faut rappeler quelques chiffres quand même. C'est l'Afrique et ses diasporas. Aux États-Unis, il y en a plus de 44 millions. En France, il y en a plus de 3 500 000. En Iran, il y en a 1 500 000. Donc, en fait, il y a effectivement, justement, toute une communauté qui demande à s'organiser, mais qui ne sait pas comment faire. Chaque fois que... Mais c'est pour ça. On ne sait pas comment faire parce qu'il y a toujours cette mésentente, cette guéguerre. Pour aller plus loin, parler de business, c'est bien, mais chaque fois que les Noirs font un business ensemble, pour X, Y raison, ça finit par capoter. Est-ce que là, il y a quelque chose qui manque pour que cette confiance soit restaurée? Oui, ça dit que je rebondis sur ça parce que je vais prendre un exemple. D'ailleurs, c'est un jeune homme, un monsieur du Canada qui nous commande des produits, qui nous a commandé des produits au centre Panaf. Donc, il nous commande des produits nécessaires actuellement, notamment la Témédia. Et monsieur a passé la commande de samedi. Et nous sommes vraiment à fond sur pour pouvoir le satisfaire samedi. Et d'insulter le centre Panaf de tous ses noms, de tous les noms. Et alors que sa commande est en cours et nous nous attelons à ce qu'il puisse recevoir cette commande en temps et en heure, comme sur tous les sites internet, notamment où le délai est de 7 à 15 jours. Et le monsieur est déjà en train de nous insulter alors que sa commande est déjà en train de partir. Vous vous rendez compte, c'est ça ce rapport entre les Africains. Ça aurait été un site chinois, ce monsieur n'aurait pas eu des propos. D'ailleurs, je n'aurais même pas pu commenter puisqu'il ne parle pas voilà. de moi. Vous voyez, c'est ça. Et je déplore justement cela parce que normalement, des personnes de la diaspora sont des personnes conscientes. Elles devraient être aussi consciencieuses à se dire que nous sommes en pleine période de crise et que nous faisons tout notre possible pour que toutes les personnes soient satisfaites. Notamment là, nous nous félicitons parce que la majorité des personnes sont satisfaites. Ici au Canada, c'est toute une galère puisque Post-Canada, évidemment, croule sous les colis, parce que ça y va mollo-mollo. Voilà. Enfin, bref, le confinement était réel, quoi, ici. Donc, ça se déconfine petit à petit. Mais, donc, en fait. Voilà. Et donc, je faisais cette petite parenthèse parce que je voulais dire que la solution est toute trouvée. La solution est toute trouvée. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes africains qui se battent pour pouvoir survivre. L'encouragement devrait venir justement des personnes de la diaspora qui sont conscientes, parce que la diaspora est consciente et consciencieuse, puisqu'elle est capable d'organiser des journées comme le 25 mai. Donc, elle est donc capable de pouvoir encourager les jeunes ici sur place à pouvoir continuer à produire pour pouvoir les nourrir là-bas sur place. Donc, la solution est toute trouvée. Il y a des terres, il y a la jeunesse, et nous sommes la population la plus jeune dans le monde. Même si l'objectif de cette mondialisation, c'est de la réduire, mais battons-nous en l'encourageant de pouvoir investir sur la santé, sur la production. On a quelques soucis de communication, ça ne passe pas toujours bien. C'est la production des... Voilà. Donc, enfin, je disais que encourageons-nous mutuellement. Encourageons-nous mutuellement. Que la diaspora soit... encourage les jeunes qui se battent ici sur place et que justement les jeunes ici sur place comprennent que travailler main dans la main avec la diaspora, c'est bien meilleur que d'attendre sucer la diaspora à sens unique.
Parce que c'est ça la mentalité qu'il y a ici. C'est quand je vois quelqu'un qui vient de la diaspora, alors je vais d'abord tout lui prendre, je vais lui vider tout son porte-monnaie. Et bon, là, il pourra aller retravailler, il reviendra après. Vous voyez, ça, c'est ça la mentalité. C'est une réalité effectivement déplorable de penser que celui qui est à l'extérieur, évidemment, est une pompe à fric. Et ça, c'est une réalité. Et effectivement, faire ces autocritiques constructives, c'est pour nous permettre évidemment d'avancer. Merci beaucoup, Etouma. Totalement. Merci beaucoup pour cette intervention. Bonne journée mondiale de la Merci. African Liberation Day. Ça se poursuit donc toute la journée sur Africa Mondo et nos partenaires avec notre fil rouge, Dei Marifal. À très bientôt. On poursuit évidemment nos différentes rencontres et on va à la rencontre d'autres personnes. À bientôt. Bonne journée, tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup. Merci encore, Mélina. Merci.